Bonjour, je suis Karine, je suis animatrice d'ateliers créatifs et je vais vous apprendre à réaliser une jupe de princesse. Pour ceci, il nous faut du tissu qui ne s'effiloche pas, différentes perles, des épingles à nourrice, du ruban élastique, des ciseaux et du fil. Première étape, il vous faut mesurer 3 fois la longueur de la taille de votre enfant. Puis, je coupe le tissu à la longueur obtenue. J'ai choisi de faire 2 épaisseurs. Une et 2. Je fais un ourlet sur la longueur prenant les 2 tissus en rabotant une seule fois. Que je passe à la machine. Troisième étape, j'assemble les 2 extrémités l'une contre l'autre que je couds à l'envers. Quatrièmement, je mesure la taille de mon enfant et je découpe l'élastique à la même longueur. Je vais passer le fil élastique dans l'ourlet à l'aide d'une épingle à nourrice. Je fais coulisser l'épingle à nourrice et pour ne pas perdre le bout, j'attache la 2e extrémité au début du bord. Et je continue. Je rejoins les 2 élastiques et j'en fais un nœud. Je retourne le tutu. Et la base est prête. Et dernière étape, nous allons retrousser le premier voile en y cousant une perle. Je remonte en pinçant le premier volant. Je passe dessous. Ensuite, j'enfile la perle. Je repasse au même endroit. Et je tire. Et je fais un nœud. Vous réitérez la même opération tout autour de la jupe pour lui donner du volume. Vous venez d'apprendre à réaliser une jupe de princesse et vous allez faire des heureuses.